sang de Jésus dans nos vies respectives, dans ce lieu. Que le sang vienne remplir, invoquant l'infusion de sang de Jésus. Invoquant l'infusion de sang qui a coulé sur le mont Golgotha pour la rémission de nos péchés. Élève ta voix là où tu es, invoque le sang de Jésus. Que le sang coule dans tes veines. Que ça ne soit plus ton sang qui coule maintenant, mais que ça soit le sang de Jésus. Élève ta voix bien-aimée, invoque le sang. Oh, le sang de Jésus, le sang parfait de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, le sang qui ôte les péchés du monde. Oh, le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Golgotha pour que moi je sois sauvé. Le sang qui m'a lavé, le sang qui m'a purifié, le sang qui m'a sanctifié, le sang de Jésus, le sang qui crispe, qui crie plus que le sang des animaux, le sang de Jésus. Si les enfants d'Israël ont mis le sang des animaux qui ont pu les protéger de la mort, à combien plus forte raison le sang de Jésus, à combien plus forte raison le sang du Fils de Dieu, le sang puissant qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus coule maintenant dans ce lieu, dans nos vies respectives, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Le sang de Jésus vient couler dans mes veines, vient couler dans ce lieu, afin de sanctifier, afin de purifier. Alléluia. Le sang qui remplit blanc et neige toutes nos fautes, qui nous lave de tous nos péchés, le sang qui nous guérit, le sang qui nous justifie. Viens couler maintenant. Makilana Yesu, Makilana Lobiko, Makilana Mwana Mpate, Makilana puissant de l'agneau de Dieu. Yarako sopa na katina oesika, yarako sopo la mitema, yarako sopo la bomo inabiso, Makilana Yesu. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous faisons tout et que nous n'invoquons pas la présence du Saint-Esprit, nous ne faisons rien. Sans l'Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est du bruit pour rien. Voilà pourquoi nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur de Dieu d'Israël. La Bible dit que Daniel à Babylone avait l'Esprit supérieur, l'Esprit qui surpasse tout. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de consolation, l'Esprit de révélation. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu de venir régner maintenant, de venir prendre la place dans ce lieu. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas invoquer le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur qui vient de te contrôler, qui vient de contrôler tes pensées, qui vient de contrôler ce lieu, qui vient de se mouvoir dans ce lieu. Alléluia. Lève ta voix là où tu es, invoque l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu d'Israël. Nous t'invoquons cet après-midi, nous t'invoquons, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Viens régner, Saint-Esprit de Dieu, viens régner, Saint-Esprit de Dieu, viens régner, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Allez, manger.
Encore bienvenue. Amen. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Amen. Alors, je suis la servante Anne. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avions notre thème qui est tiré du livre d'Hébreux. Si vous voulez bien prendre vos Bibles. Je continue encore à bénir tout le monde au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue maman, je suis contente de vous voir. Amen. Merci beaucoup, merci Seigneur. Alors dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8. Notre thème est tiré du livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8. Je lis la parole du Seigneur, la Bible nous dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, quelle bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tous vivre de grandes choses avec Dieu. Amen. Amen. Chacun d'entre nous veut vivre des grandes choses avec Dieu. Mais il arrive que
la réalité nous fasse croire le contraire. Amen. Amen. Il arrive que ce que nous rencontrons chaque jour dans nos vies nous fasse douter de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alors, ce que j'ai à vous dire cet après-midi est que Dieu est bon. Et que Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Dieu a prévu des grandes choses dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Amen. Mais parmi ces choses, qui peut-être tu ne vois pas, la plus grande de ces choses que Dieu a prévues pour nous se trouve dans le livre de Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Amen, amen, amen. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. La plus grande chose que Dieu a fait pour toi et moi se trouve dans le livre de Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Nous allons le lire. Jean chapitre 3, verset 16 si papa peut nous lire, s'il vous plaît. Bien aimé, vous pouvez nous lire. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. On nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. On peut continuer. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. En complément, nous voyons que ce Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le cadeau de Dieu pour l'homme est le même, il ne change pas. C'est la plus grande chose que Dieu pouvait faire pour toi, bien-aimé. C'est de te donner ce cadeau éternel. Amen. 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 Ce cadeau que personne ne peut t'enlever. Ce cadeau qui, si tu le reçois, tu l'auras non seulement aujourd'hui, mais demain. Parce que le passé, en fait, ne nous concerne plus. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ, qui est venu il y a quelques années, bientôt ça fera 2000 ans, en 2033. Que Jésus-Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Mais ce Jésus-Christ qui a fait des miracles, alléluia, qui a fait des miracles pour Marthe et Marie, qui a fait des miracles en ressuscitant Lazare, qui a fait des miracles en faisant voir les aveugles, ce Jésus-Christ qui a guéri les malades, amen, il y a longtemps, hier, c'est le même Jésus qui aujourd'hui peut changer ta vie. Amen. C'est ce même Jésus qui peut aujourd'hui te guérir. Amen. C'est ce même Jésus qui peut te donner aujourd'hui ce qui manque dans ta vie. Amen. 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 Combien de fois nous sentons un vide? Beaucoup d'entre nous, on se pose la question. Mais pourquoi j'ai un vide dans mon cœur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux avoir une belle voiture. Tu peux avoir une belle maison. Tu peux être en bonne santé, mais parfois il y a quelque chose, tu sens. Personne ne peut dire qu'il est tout le temps bien. Il y a toujours quelque chose en nous. Il y a toujours un manque. Mais je vais te dire aujourd'hui, c'est lui qui peut combler le manque. C'est lui qui peut remplacer ce qui manque dans ta vie. C'est lui qui est même plus que ce que tu as dans ta vie. C'est Jésus. Amen. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Lorsque tu as Jésus, bien-aimé, le cadeau de Dieu pour toi, son Fils unique, lorsque tu l'as dans ta vie, tu as tout. Amen. Amen. Tu as tout. On ne peut rien
te retirer. Parce que tu as la plus grande chose. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le vent là où nous sommes. Nous sommes dans une pièce. Il y a le vent. Nous respirons. Mais est-ce que nous voyons le vent? Est-ce que nous voyons l'air, l'oxygène? Mais il est là. De la même manière avec notre Seigneur. Nous ne voyons pas. Mais il est là. Alléluia. Comme le soleil. Alléluia. Le soleil est toujours là pour nous éclairer, même lorsqu'il fait nuit. Mais croyez-moi qu'il y a des endroits sur la terre où le soleil est clair. Amen. Amen. Ça veut dire que le fait que tu ne vois pas le soleil en ce moment en France ou quand il est 21h, ça ne veut pas dire au Japon, il n'y a pas le soleil. Amen. Le soleil, lui, il est là. Amen. Amen. Et le soleil, il était là hier, aujourd'hui et demain. De la même manière. Avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, personne n'a vu Dieu. Mais personne n'a vu Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui voit le Fils voit le Père. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui est venu vivre parmi nous. Qui s'est fait chair. Dieu lui-même, il a pris la forme humaine et il a vécu parmi nous. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Je veux te dire aujourd'hui, ne sois pas comme ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus. Amen. Moi, je veux que toi et moi, aujourd'hui, nous le recevions dans nos vies. Que nous soyons conscients que c'est le plus grand cadeau. C'est celui qui comble les vides de nos cœurs. C'est celui dont nous avons réellement besoin. Parce que la parole de Dieu me dit que Jésus-Christ est le salut de Dieu. C'est Jésus le salut de Dieu pour les hommes. Ça veut dire que le nom même de Jésus veut dire salut de Dieu. Ça veut dire que quand tu as Jésus, tu es sauvé. Il suffit juste de recevoir Jésus-Christ. Tu es sauvé. Tu es différent. Tu es mis à part. Ne pas recevoir Jésus, tu n'es rien. Tu peux avoir des plus belles maisons. Tu peux être un grand leader. On peut t'appeler tous les noms qu'on veut. Tu peux régner sur beaucoup de personnes. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Quand tu n'as pas Jésus, tu es médiocre. Alléluia. La Bible nous parle ici que quand Dieu a tant aimé le monde, car Dieu... Alléluia. Bien-aimé, cette parole était adressée à Nicodème. Nicodème qui était docteur de la loi. Qui était un grand pharisien. Le chef même, je vous dirais. Alléluia. Mais Nicodème n'avait pas compris qu'il avait tout. Il avait la connaissance. Mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas le salut. Il n'avait pas Jésus. Alléluia. Il pouvait avoir toutes les facultés. Il pouvait avoir toute la connaissance. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas compris qu'il lui fallait Dieu, qu'il lui fallait Jésus, il n'était rien. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il était face à Dieu. La Bible nous dit, il est venu de nuit face à Dieu lui-même. Face à Jésus, qui était son salut, qui était son sauveur. Alléluia. Et le Seigneur lui dira, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé Nicodème, Dieu t'a aimé, qu'il m'a envoyé pour toi. Tu es face à la résurrection, tu es face à la plénitude de l'Esprit. Amen. Tu es face à Jésus-Christ, Amen. Le Maître. Amen. Ce jour-là, Nicodème était sauvé. Ce jour-là, Nicodème, malgré toute sa connaissance, il était transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas seulement face à un maître, mais il était face à son Dieu. Bien-aimé, lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es sauvé. Alors ce soir, je ne veux pas m'éterniser. Je vais laisser l'homme de Dieu continuer cet enseignement.
Parce que nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin que cette parole prenne la place dans nos vies. Amen. Et que Jésus, parce que Jésus c'est la parole, Amen. Nous avons besoin qu'il prenne la place dans nos vies. Qu'il règne. Nous avons besoin que Jésus règne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma fille. Je suis tellement content. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je travaille comme ça, l'homme de Dieu, évangéliste d'Église. Ce sont mes enfants. Et je instaurais dans mon ministère, avant de commencer de prêcher ou bien d'enseigner, il faut que mes enfants m'introduisent. Et tant que leader, un leader travaille comme ça. Un leader travaille ensemble avec les gens qui le dirigent, qui le forment. En fait, mes enfants, mes filles, mes fils, ils ont une grâce auprès de moi parce que leur formation, c'est à la fois la théorie et c'est aussi à la fois la pratique. Amen. Je travaille comme ça. Alors. Et l'église, nous sommes tellement bénis ce soir parce que nous avons parmi nous la présence d'un homme de Dieu, d'un évangéliste. L'évangéliste Dizzy. En fait, l'homme de Dieu, Dizzy, il me suivait, ça fait longtemps, moyennant YouTube, moyennant TikTok, moyennant Facebook. Et il était tellement intéressé à mes enseignements, à mes prédications, et il m'avait appelé. Et pour l'homme de Dieu, il a besoin que, par la grâce de Dieu, nous travaillons ensemble. Avec lui, avec eux, parce que derrière lui, il y a toute une grande organisation, organisme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, purement internationales. Et avant-hier, on a parlé avec l'homme de Dieu, je lui ai dit, « Ah, l'homme de Dieu, je viens de commencer l'œuvre. » Ah, il m'a dit, « Mais oh, mais c'est vrai, c'est où ?» Et je lui ai expliqué, c'est à Juvisy-sur-Orge. 5 rues de Condorcet, et il m'a dit, l'homme de Dieu, moi je veux venir. Et je suis tellement content de vous voir, l'évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Et il n'est pas venu seul, il est venu aussi ensemble avec l'homme de Dieu, Stéphane. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et vous êtes le bienvenu. Et je suis tellement fier, tellement content de votre présence. On a commencé ici le 1er août, à peine que 2 semaines et demie. Mais Dieu est avec nous. Il a dit dans sa parole, là deux ou trois sont assemblés. En son nom, Yahushua, Amashia, il est là. Et l'église, franchement, par la grâce de Dieu, nous avons bien commencé ici en France. J'ai fait la première implantation, si je peux utiliser les mots, première église en RDC, au Congo, Kinshasa. C'était vers 1993. Hein? 93, c'était la première église que j'ai bâtie pour le Seigneur à Kinshasa. 1993. Mais par rapport au début, malgré en Afrique, les gens aiment la prière, mais par rapport à nous ici, par la grâce de Dieu, nous avons très bien commencé. Amen. Et je suis tellement content de votre présence. Avant d'entrer au sujet de l'enseignement, parce que depuis le début du mois, je donne un enseignement tellement profond, un enseignement purement christologique. Et j'avais demandé à ma fille, avant de continuer l'enseignement, qu'elle puisse exhorter par rapport
à ce que j'avais prêché la fois passée. Et je suis tellement fier de vous, maman Annie, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez de l'avant. Je suis là pour vous pousser d'aller de l'avant. N'ayez pas peur, maman. N'ayez pas peur. Croyez-moi ce qui est vrai. Je suis un homme de parole. Et un homme de valeur respecte sa parole. Mon souci à moi, que vous puissiez aller de l'avant. Parce qu'en vous, maman, il y a quelque chose de l'éternel et Dieu. Et pendant que vous parlez, j'étais assis et j'ai senti en moi une forte compassion. Et le Saint-Esprit m'a encore dit, Ézéchiel, forme-la. Elle est utile pour moi. Elle est une vase d'honneur. Et devant les saints hommes de Dieu, devant l'Église, je vous donne encore ma parole. N'ayez pas peur. Donnez seulement les temps en temps. Patientez-vous. D'accord? Amen. Et vous aurez le meilleur pour la gloire de Dieu. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Je ne suis pas comme les autres serviteurs qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de se mettre debout devant les gens. Je dis souvent, ce sont des hommes de Dieu hérétiques. La femme a le droit de témoigner, le Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est purement spirituel. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas un garçon. Le Saint-Esprit n'est pas une fille. Dieu est d'esprit. Amen. Et nous voulons chanter quelques chansons d'adoration. Il fait tellement chaud. Mais que Dieu nous fasse la grâce prochainement. Mardi et dimanche prochain, nous allons vraiment amener quelques vents de la terre, d'accord? Parce qu'il fait un peu tellement chaud et nous sommes en plein été, mais ce n'est pas grave. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Fermons un peu les yeux. Et vous chantez après moi. Fils David, tu peux monter. Sois vraiment concentré. Sois concentré. Et sentez-vous à l'aise. Et si vous voulez boire un peu d'eau, ce n'est pas un problème. Et je vous donne de la permission de boire un peu d'eau. L'eau est à côté de vous. Le protocole va disposer une bouteille d'eau à chacun de nous. Protocole, ma fille Anaïs met la bouteille d'eau à chacun de nous. Celui qui veut boire de l'eau, il puisse boire. Sentez-vous vraiment à l'aise devant le Seigneur. Commencez encore maintenant de contempler la présence de Jésus dans votre vie. Il est là ce soir. Il est là au milieu de nous, s'il vous plaît. Et il est tellement beau, l'homme de Galilée. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le soleil levant de la justice. Son cœur est rempli de compassion envers vous, s'il vous plaît. Pour le Seigneur Dieu, vous êtes une vase d'honneur, ma soeur, mon frère. Pour l'éternel Dieu, vous avez de la valeur incroyable, s'il vous plaît. Et croyez-moi, tu es né de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth pour réussir, pour vaincre. Le roi des rois à Jésus, le roi des rois, oh le roi des rois à Jésus, le roi des rois, le tout-puissant Jésus, le tout-puissant, oh le tout-puissant Jésus.
le tout puissant, la main cachée, Jésus, la main cachée, oh la main cachée, Jésus, la main cachée, oh mon roi, Jésus, mon roi, mon roi, oh mon roi, Jésus, mon roi, mon, oh yako kanina yo, alléluia, zalite, ah, oh yale ki onkolo, alléluia, alléluia, ah, oh yako kanina yo, azalite, yonde zambe nanguya, alléluia, alléluia, amen. Oh na yo kayo Yesuwe, na yo kayo, kai na yo kayo Yesuwe, na yo kayo. Naina yo kayo, oh Yesuwe, na yo kayo, gaina yo kayo, Yesuwe, na yo ka, oh yako kanina yo, alleluia, azalite, yo zambe na ngoya, alleluia, alleluia, mon kote. Jésus m'a sauvé.
Seigneur, parle-moi, prions. Alléluia. Oreba Shandaraba, ye Kantaraba, Shindaraba, Yendaraba, ye Kantaraba, Baba, se Kantaraba, Shandaria. Prie, bien aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon Dieu, je veux t'écouter, je veux entendre ta voix, ta douce voix, Seigneur. Viens me parler, oh mon Dieu, mon maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi. Je m'approche devant toi, tendre Père. En qualité de ton esclave que je suis, Seigneur. Je me soumets totalement à ta seigneurie. Seigneur, je te promets la gloire, l'honneur, la louange pour toujours, jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Regarde, Seigneur, ton peuple. Regarde, ô roi des nations. Tes serviteurs, tes servantes, ils y sont venus. Ils y sont là ce soir pour écouter ainsi dit l'Éternel, moyennant ton esclave que je suis. Parle, Seigneur, s'il te plaît. Saint-Esprit, l'ami du ministère, s'il te plaît, parle. L'aide, glorifie. Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Et je prends l'autorité. Je m'oppose contre toute la puissance maléfique. Oribabo Shandariandaraba Shandaria. Contre la puissance du monde kabbalistique. Oh, le diable Satan, tu es menteur. Je viens contre toi maintenant. Je te donne. Et je commande à tes acolytes invisibles, mais présents, de quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Il faut que tu croisses et que nous, nous diminuions. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Essayons un peu de dire bonjour à ton ami, à ton frère, à ta sœur qui est à côté de vous. Saluez. Bienvenue. Soyez bénis, l'évangéliste. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Dis bonjour, dis bonjour. Tant que vous allez ici. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. Ah, il fait tellement chaud. Surtout pour les bébés, ouvrez un peu la porte. Je ne sais pas si ça va déranger les autres. Vraiment, pour les bébés, que le Seigneur protège nos bébés contre la chaleur. Le mardi, avant de commencer l'enseignement, j'avais fait des dons aux gens. J'avais donné des cahiers, des carnets, pour que les gens puissent prendre note. Et le mardi, j'ai donné plus de 2 cahiers.
Et j'avais réservé ces trois cahiers pour trois personnes. Pour notre sœur. Tu mérites ça aussi. Merci. C'était aussi pour Jérémie. Et puis, pour notre sœur Anaïs. Elle est où? Ok. C'est tellement important, s'il vous plaît, de prendre une note. C'est tellement important. Si vraiment tu as besoin de grandir, si vraiment tu as besoin d'aller loin avec le Seigneur Jésus de Nazareth, s'il vous plaît, je vous demande de prendre au sérieux les choses de Dieu. De noter. Même pas toute la prédication, mais merci beaucoup. Ne fût-ce que de noter des points essentiels. Merci ma fille. Essentiel à moi. Bénéfice David, il y a une place là-bas où je peux mettre. Merci. Et je suis en train de vous donner un enseignement. Un enseignement tellement profond. Un enseignement tellement de qualité. Et ça va vous aider énormément. Nous sommes une église évangélique. D'autres utilisent le mot église de réveil. Et tant qu'une église évangélique, et si nous croyons à l'intégralité des évangiles, s'il vous plaît. La Bible contient deux testaments. Je vous rappelle seulement. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. À vrai dire, l'Ancien Testament nous parle rien que de l'existence de Dieu, de la création du monde, de la création de l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'Ancien Testament nous parle aussi les expériences vécues de quelques hommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu dans leur temps. Et l'Ancien Testament nous parle aussi sur le chèque, le déclin de l'homme après avoir désobéi à la voix de l'Éternel Dieu. Et l'Ancien Testament nous parle beaucoup de choses aussi sur la promesse du salut, la promesse de la libération, la promesse où l'Éternel Dieu va visiter son peuple pour mettre fin au règne des ténèbres. Et nous avons deuxième testament, c'est le Nouveau Testament. Donc en un mot, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. En un mot. Et je vous l'ai dit, ce qui est vrai, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le
le même Dieu du Nouveau Testament. Le même Dieu qui a visité son peuple. Dans l'Ancien Testament, sous forme angélique. Et on appelle ça la théophanie. La théophanie, c'est quelque chose que l'Éternel Dieu utilisait beaucoup plus dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est quoi la théophanie? En un mot, la théophanie, c'est lorsque l'Éternel Dieu, le Dieu invisible, pour bénir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, ou bien pour délivrer son peuple, à des fois, l'Éternel Dieu visita son peuple sous forme d'un ange. C'est ça la théophanie. La théophanie, c'est l'apparition de l'Éternel Dieu sous forme d'un être angélique. Mais dans le Nouveau Testament, ne nous parle pas de la théophanie. Le Nouveau Testament, ça nous parle de l'incarnation. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le même Dieu de l'Ancien Testament pour sauver l'homme, pour bénir l'homme, pour répondre aux questions impossibles de l'homme sur la terre. L'Éternel Dieu, il avait accepté de prendre la forme d'un être humain, la forme d'un homme. C'est ça l'incarnation. Exemple, si vous méditez, Jean chapitre 1, verset 1 à 14, Jean 1, verset 1 à 3, là-bas, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, d'accord? La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu, et toutes les choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Le verset 14 nous dit ceci, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et les hommes ont contemplé sa gloire. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est Dieu, fait chair pour sauver l'humanité. C'est pour cela, bien aimé, nous étant que les évangéliques, nous croyons au message de Jésus qui est mentionné dans le 4 premiers livres du Nouveau Testament. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc, et puis nous avons aussi Jean. Mais pour votre information, les 4 évangiles ne présentent pas Jésus de la même manière. Suivez-moi très bien. Exemple, l'évangile selon Matthieu. Matthieu, lui, il présente Jésus dans son évangile comme étant qui? Matthieu présente Jésus comme le roi d'Israël, le roi des Juifs. C'est pour cela, si vous méditez l'évangile selon Matthieu, vous allez voir. L'évangile selon Matthieu, ça nous parle trop de choses sur le royaume. Et Matthieu, il était vraiment l'un parmi les 12 apôtres du Seigneur Jésus de Nazareth. Et nous avons deuxième évangile, c'est quoi? C'est quel évangile? C'est quoi deuxième évangile? Marc. C'est vrai, Jérémie, c'est ça? Voilà. Nous avons deuxième évangile, c'est l'évangile selon Marc.
Attention, sois prudent, sois prudente. Pour votre information, Marc n'était pas un apôtre de Jésus. J'ai déjà entendu cela en pleine prédication, un pasteur en plus. L'apôtre Marc. Non. Marc n'était pas un apôtre de Jésus. Parmi les 12 apôtres de Jésus, Marc n'était pas là. Ma chérie, arrêtez avec le bébé. La chaleur. C'est papa prêche, mais l'enfant dérange. On va se parler à la maison. Donc Marc n'était pas un apôtre. Mais Marc, il l'avait travaillé comme étant un disciple des apôtres de Jésus. Exemple, Marc à travers avec Pierre. Et puis plus loin, Marc a travaillé aussi avec Paul. Et si vous méditez l'évangile, le Saint Marc, par contre, Jean-Marc, Marc, il a présenté Jésus dans son évangile comme étant qui? Marc, il a présenté Jésus comme étant l'esclave de Dieu, le serviteur. Doulos, serviteur. Jésus est venu, non pas selon Marc, non pas pour être servi, mais Jésus est venu pour servir. Il est venu pour donner sa vie, pour répondre aux besoins de l'humanité. Donc l'évangile selon Marc, retenez ça, Marc présente Jésus comme étant le serviteur, l'esclave. Et moi j'aime tellement ce terme, esclave de Dieu. Il est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit, qu'il soit le serviteur ou bien la servante de tous, des autres personnes. C'est tellement important. Et si vous méditez l'évangile, c'est long. Troisième évangile, c'est quoi? C'est quoi? Luc. Pour votre information aussi, Luc n'était pas aussi un apôtre de Jésus. Pour votre information, ne sois pas étonné. Luc était un disciple. Il a travaillé avec Paul. Il a travaillé aussi un peu avec Pierre. Luc était un médecin, un docteur, comme tous les médecins que vous connaissez. C'est pour cela, si vous méditez bien, si vous lisez bien l'évangile selon Luc, c'est le seul évangile. Luc a parlé, il a présenté Jésus comme étant qui? Il a présenté Jésus comme étant le fils de l'homme. Le fils de l'homme. C'est Luc qui a parlé de la conception, la naissance, la croissance, voire même le début du ministère, voire même la fin du ministère du maître Jésus de Nazareth. Il a présenté Christ comme étant le fils de l'homme. C'est vrai. Jésus était 100% homme, comme toi et moi. Il avait la chair, comme toi et moi. Il avait un corps, comme toi et moi. Mais la différence, Jésus, malgré un corps, comme toi et moi, malgré la chair, le sang, mais s'il vous plaît, Jésus n'a jamais connu même une petite crèche de péché. Amen. 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 Jésus n'a jamais connu le péché. C'est ça la différence. Jésus était né saint.
Jésus a grandi dans la sainteté. Il a commencé son ministère dans la sainteté. Il a fini son ministère dans la sainteté. Il était enlevé pour son royaume dans la sainteté. Et il va revenir sur la terre nous chercher dans la sainteté. Amen, amen. L'homme sans défaut, l'homme sans tâche, l'homme irréprochable. Jésus l'a présenté comme étant le Fils de l'homme. Et nous avons comme dernier évangile. C'est quel évangile? Anaïs, c'est quel évangile? Jean. Merci beaucoup. Jean. Mais ma question est celle-ci. Parce que je vous ai présenté trois, et puis j'ai donné chaque thème principal de chaque évangile. Maintenant, qui peut essayer? Jean a témoigné, Jean a parlé de Christ comme étant qui? Parce que, je vous ai montré, Matthieu a parlé de Christ comme le roi des Juifs, le roi qui devait venir pour sauver son peuple. Preuve en est qu'à la croix de Golgotha, il y avait même une écriture. Les gens pensaient qu'il blasphémait selon eux. Or, qu'à vrai dire, il confirmait réellement Jésus-Christ est le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Donc, Matthieu a présenté Jésus comme le roi des Juifs. Le roi. Marc a présenté Jésus comme étant le serviteur, l'esclave. Luc a présenté Jésus comme un fils de l'homme, comme un monsieur, né d'une femme, mais un monsieur exceptionnel, sans péché, sans tâche. Et maintenant, Jean, qui peut essayer? Qui peut essayer, à part les hommes de Dieu? Celui qui va réussir, vous me connaissez bien, celui qui va réussir, il va manger 5 euros. Il va gagner 5 euros. Tu peux essayer. Jean. Jean a présenté Christ comme étant qui? Qui peut essayer? Anaïs? Comme Dieu. Hey, ma fille a mangé 5 euros. Acclamons le Seigneur. T'as pas triché? Non. Si? C'est logique. Oh, ma fille, tu mérites. Merci. De rien. C'est comme ça, pour vous motiver d'être des bons lecteurs et des bonnes lectrices. Jean, il a présenté Jésus comme Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Jean, il a présenté Jésus comme étant le Dieu créateur. C'est ça. Le quatre évangiles. Donc par là, je voulais vous dire, nous croyons que Jésus, étant que le roi des rois, Jésus, étant que le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Seigneur, il accomplit et il fait des choses extraordinaires qu'un autre homme, une autre créature, ne peut jamais accomplir. Amen. C'est pour cela que j'ai commencé à vous donner l'enseignement. Le grand thème, c'est quoi? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? C'est ça le grand thème. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Le mentir, je décortiquais Hébreux 13, verset 8. C'est que ma fille vient d'introduire. Merci beaucoup encore. Je vous ai parlé le mardi en disant que si Jésus, il était venu sur la terre, c'était pour un but. C'était pour une raison. Le mardi, on a lu ensemble Hébreux 13, verset 8.
en disant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce verset biblique contient des secrets incroyables, s'il vous plaît. Jésus-Christ est le même hier. En quelque sorte, Jésus-Christ ne change pas depuis hier. Hier, c'est quoi? Je vous ai parlé, hier, c'est le passé. Le même Jésus que nous servons aujourd'hui, il est le même depuis le temps passé. Avant ta naissance, il était déjà là. Amen. 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 Le temps passé, les années passées, de millénaires passés, il était, je vous ai beaucoup parlé la fois passée, il était avec Pierre, il était avec Jean, il était avec Marie, il était avec Marthe. Les années passées, la parole de Dieu nous montre que Jésus, il avait accompli de miracles extraordinaires. Bartimée l'aveugle, il était délivré de son aveuglement. Lazare est mort enterré. 4 jours. Son corps dans le tombeau était décomposé. Mais lorsque Jésus, il s'est présenté devant la tombe de Lazare, Jésus, il a dit à ses apôtres, s'il vous plaît, ôtez-moi la pierre. C'est-à-dire, ouvre-moi le tombeau. À l'époque, la pierre jouait le rôle d'une porte. En quelque sorte, le maître voulait seulement dire, ouvre-moi la porte là où est enterré Lazare. Mes amis, c'était catastrophe. Hein? Un homme déjà enterré, 4 jours passés, le corps était décomposé. Et jusqu'à tel point, les apôtres de Jésus, les serviteurs de Jésus, les disciples de Jésus, voulait ramener Jésus à la raison en disant que maître, s'il vous plaît, il est déjà décomposé. Et en plus, il sent mauvais. Personne ne croyait au miracle ce jour-là. Et jusqu'à tel point, même la famille de Lazare, la sœur Marthe, la sœur Marie ne croyait pas que leur frère enterré il y a 4 jours passés, il peut revenir encore à la vie. Personne ne croit. Sauf Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, il croyait. Tu sais pourquoi? C'est parce que Luc 1, verset 37, la parole de l'Éternel et Dieu nous dit, rien n'est impossible. Ah! Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Comme Jésus, il est Dieu. Jésus, tant que Dieu, écoutez-moi très bien. Là où les gens voient impossible, devant Jésus, c'est possible. Le mot impossible devant Jésus n'existe pas. Là où les gens disent que non, le miracle ici, c'est pratiquement impossible. Mais pour Jésus, il change l'impossible au possible. Et moi, je pense que ce jour-là, c'était terrible. Jésus a ordonné à ses apôtres, enlevez la pierre. En quelque sorte, ouvrez-moi la porte. Attendez-vous. Regardez seulement le
meilleur résultat. Tout le monde est regardé. Même les apôtres étaient étonnés. Moi, je pense que les apôtres disaient entre eux, si les policiers arrivent, lui seul et le maître sera arrêté. Pas nous, hein. Parce que nous, étant que ses disciples, on vient de lui conseiller, mais il ne voulait pas. Parce que c'est une aberration. Personne ne croyait. Et jusqu'à tel point, la sœur morte, la sœur Marie, les deux sœurs du défunt, exhortaient même Jésus sur la résurrection au temps de la fin. Seigneur, nous croyons qu'à la fin du monde, à la fin du temps, notre frère sera ressuscité. Il sera ressuscité des morts. Notre frère Lazare, qui vient d'être enterré, il sera ramené à la vie à la fin du monde. Ce n'est pas encore arrivé, la fin du monde. Mais ces gens-là oubliaient que Jésus-Christ étant que Dieu, il est le maître du temps, le maître des circonstances. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus, il a disposé le temps pour ces créatures que nous sommes. Mais Jésus ne vit jamais dans le temps. C'est pour cela, mon ami, rien n'est impossible à Dieu. Ce que les autres personnes ont réussi dans l'espace de 10 ans, dans l'espace de 20 ans, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te bénir dans l'espace de 24 heures. Amen, amen, amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Suivez-moi. Ce n'est pas dit que pour vivre l'élévation de Dieu dans ta vie, ce n'est pas dit que pour vivre la manifestation, regardez-moi, de l'éternel Dieu dans ta vie chrétienne, il faut attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Non, loin de là. Amen. Non, loin de là. C'est pour cela. Je vous donne l'occasion de travailler pour Jésus. Amen. Amen. Ah oui. L'éternel Dieu est tant que le maître du temps, le maître des circonstances, on l'appelle Adonai. Adonai voulait seulement dire le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Ma soeur, mon frère, si Dieu veut te bénir dans l'espace de 24 heures. Si Dieu veut te bénir cette année 2023, si Dieu veut te donner de la stabilité cette année 2023, je te le dis ce qui est vrai, le oui de Dieu dans ta vie restera toujours un oui. Amen. Ne faut pas douter. Ayez toujours confiance en Dieu. Personne ne croyait. Mais seul Jésus croyait. Tu sais pourquoi? Puis Psaume 33, verset 6, verset 9. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Puis Psaume 33, verset 6, verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. L'éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'éternel Dieu ordonne et la chose existe. Un mot prononcé par Dieu, ça crée toujours des miracles dans la vie de quelqu'un. La parole prononcée est invisible, mais les effets de la parole prononcée sont toujours visibles. Croyez-moi, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Le dernier mot pour votre élévation, le dernier mot pour votre bénédiction, le dernier mot pour votre changement ne dépend pas des hommes, non pas de ta famille, non pas de moi, votre leader. Le dernier mot de ta vie dépend de l'éternel Dieu. Amen. C'est ça mon évangile, s'il vous plaît. Jésus a dit, ôtez la pierre. Tellement Jésus était sérieux envers lui-même.
Et les apôtres regardaient le maître. Le maître était sérieux. Ôte la pierre. Maître. Ôte la pierre. Maître. Ôte la pierre. Les apôtres, ils se sont dit, ce n'est pas grave. Nous allons ôter la pierre. Moi, je pense que Thomas, il avait dit aux autres personnes, hé, est-ce que vous voulez comparer le miracle de Lazare avec le miracle de Bartimée? Est-ce que vous voulez comparer le miracle de Lazare avec le miracle de la multiplication de pain et de poisson? Tellement Jésus était sérieux. Les disciples, après avoir ôté la pierre, Jésus, il a prononcé seulement un mot. Il a seulement prononcé une courte prière. C'était quelle prière? C'était la prière d'action de grâce. La prière d'adoration. À son Père. Et après, Jésus a appelé le cadavre en son nom. Lazare, sort. Moi, je pense que ces jours-là, les apôtres, ils se sont retrouvés à Évry-Courcouronne. Hein? Qui peut rester là-bas? Un homme est décédé, enterré 4 jours après. Et en plus, la personne était bien liée. Bien liée. Malgré lié, mais la personne arrive. Je me pose la question. La personne marchait comment? Elle marchait dans l'espace ou bien comment? Il était bien lié. Et en plus, la personne ne voyait pas. Mais quand Jésus prononce un mot, même si tu ne vois pas, mais moyennant le mot prononcé par Jésus, tu vas commencer de bien voir. N'ayez pas peur. Lazare sorti dans les tombeaux, il s'est mis devant Jésus. Et maintenant Jésus a ordonné à ses apôtres, allez maintenant venez, enlève ces bandeaux, déliez-les et laissez-les partir. En quelque sorte, déliez-les, enlevez ces bandeaux, laissez Lazare retourner dans leur maison familiale. Et après tout, Lazare était l'ami de Jésus. Bien-aimé, c'est un scandale, mais vrai. Un miracle vrai en Israël. Et je vous ai dit que Jésus n'a pas changé. Il peut le faire aujourd'hui avec nous. Amen. Et il va le faire. Et il va encore faire ça éternellement après nous. Je suis le même hier. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Et éternellement, c'est le futur. Ne faut jamais limiter Dieu. Ne faut jamais minimiser la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Ne faut jamais minimiser la grâce de l'éternel Dieu dans ta vie. C'est pour cela que je vous parle. Pourquoi Jésus-Christ est devenu sur la terre. Bien-aimé, c'est tellement profond. Et je vous ai parlé la fois passée en disant que Jésus, il avait accepté de quitter son trône. Il avait accepté d'abandonner son trône. Pendant combien d'années? Pendant 33 ans. Et on a calculé ensemble, moi et vous, 33 ans égale combien de jours? Combien? 12 070. Non, regardez. 33 ans, on a bien calculé. 33 ans, ça donne 12 062 jours. Donc Jésus, physiquement, dans le corps humain, au temps de la grâce, il était resté sur la terre pendant 33 ans. Et 33 ans, je vous ai parlé, nous avons l'année civile et l'année bisextile. L'année civile égale 365 jours. L'année bisextile égale 366 jours. Prenez seulement 30 divisé par l'année civile, par l'année bisextile.
Donc tu fais seulement 365 jours, d'accord? Divisé par 30, ça donne combien? Tu connais la réponse? Et puis tu prends aussi 365 jours, multiplié plutôt par... Ça donne combien? Donc si vous calculez 33 ans, vous prenez la moitié l'année civile, la moitié l'année de sexe, ça va vous donner plus de 12 062 jours. Ce sont les nombres des jours, le nombre de la mission terrestre de Jésus-Christ sur la terre. Mais écoutez-moi très bien. Malgré physiquement, Jésus n'est pas ensemble avec nous physiquement. C'est mon la chair, mais ce qui est vrai, Jésus, il est toujours ensemble avec nous en esprit, moyennant le Saint-Esprit. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut encore faire des choses extraordinaires. Pourquoi Jésus était-il venu? Je vous ai parlé. Jésus est venu, premièrement, pour nous sauver. Tu sais pourquoi? Parce que rien que le nom de Jésus, le nom Jésus c'est en français, le nom Jésus en hébreu c'est Yehoshua. Yehoshua voulait seulement dire le salut de Dieu. Donc Jésus, voire même sa mission sur la terre, était liée par rapport à son nom. Jésus était venu pour nous sauver. Pour nous donner du salut de Dieu. C'est pour cela, Jean 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, c'est de lui ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, pour condamner le monde. Mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Jésus est le sauveur. Aucun homme peut nous sauver. Aucune femme peut nous sauver. L'Église ne sauve pas. La communauté ne sauve pas. N'importe quelle dénomination chrétienne, religieuse, ne peut jamais sauver un être humain du péché. Que personne ne vous trompe. Pasteur ne sauve pas. Aucun apôtre ne peut vous sauver. Aucun évangéliste ne peut vous sauver. Que personne ne vous trompe. Aucun prophète ne peut vous sauver. Acte 4, verset 12. Mais quelle est la parole de Dieu? Il y a du salut. Mets-toi. Il y a du salut en aucun autre nom. Car le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, c'est quel nom? C'est le nom de Jésus. Donc c'est pour vous dire que les gens qui ne prient pas au nom de Jésus, les gens qui n'adorent pas au nom de Jésus, les gens qui ne servent pas l'éternel Dieu dans le nom de Jésus, ce sont des gens misérables et malheureux. Ces gens ne sont pas sauvés. Croyez-moi, c'est la vérité. Évangéliste, prie au fond. C'est vrai. Mais c'est vrai. Que personne ne vous trompe. Même si on vous dit que venez dans un coin, dans une ville, dans une commune, il y a un grand prophète, un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Aucune créature peut sauver la créature du péché. Amen. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Et le salut, c'est gratos. Que personne ne vous trompe. Pour être sauvé, il faut s'aimer sans héros. Pour être sauvé, il faut s'aimer 1000 héros. Non. C'est pour cela que je vous ai dit la fois passée que le plus grand cadeau de Dieu, le plus grand don de Dieu pour l'homme,
C'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un homme heureux si tu as donné ta vie en Jésus. Amen. Tu es une femme heureuse si tu as déjà donné ta vie en Jésus. Amen. Parce que tu es sauvé. Après votre existence, après notre existence sur la terre, nous allons régner pour toujours avec Jésus dans le royaume des cieux. Jésus est venu pour sauver, non pas pour condamner, non pas pour nous culpabiliser, mais Jésus est venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour nous sauver de la condamnation du diable. C'est pour cela, si vous lisez Matthieu 11, verset 28, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Le salut, c'est le repos. Mais ce qui est triste, ce qui est triste aujourd'hui, les gens n'acceptent pas le salut qui est gratuit en Jésus. Ce qui est triste aujourd'hui, les gens, à la place de chercher Jésus, à la place de placer leur confiance en Jésus, les gens placent leur confiance aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux archibishops. C'est pour cela, si un pasteur est tel, si un apôtre quelque part fait de n'importe quoi, il va voir, beaucoup de chrétiens vont commencer à prier dans leur maison. Le pasteur, il est dérouté. L'apôtre, il a dérouté. Mais si la personne de ta foi est fondée en Jésus, ta foi est fondée à la parole de Dieu, bien aimé, la faiblesse des autres personnes, des autres serviteurs, des autres servantes de Dieu, ne peut jamais t'empêcher de ne pas avancer dans la vie chrétienne. Parce que tu n'es pas sauvé par quelqu'un. Mais tu es sauvé par le Créateur. Tu es sauvé par Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Il est venu pour te donner le salut. Pour te sauver. Il est venu, s'il vous plaît, pour ça. Croyez-moi, c'est la vérité. Il a fait la mission de 33 ans. Il a abandonné son adoration pendant 33 ans. Il a quitté son trône de gloire pendant 33 ans. Rien que pour te sauver, pour me sauver. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes obligés d'aimer Jésus. Romains 5, verset 8 dit cela. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus était mort pour nous. Voilà, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a convaincu de parler, de retourner un peu en arrière pour vous qui êtes absents, absentes le mardi, afin que vous soyez à jour. Jésus-Christ vous aime. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais pour clôturer, je vais lire quelque chose dans la Bible. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Ma fille, mettez-vous debout et vous allez lire. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Gloire au Seigneur. Évangéliste, mettez-vous un peu là-bas pour la caméra. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Dans le Nouveau Testament, Anaïs. Mettez-vous debout, ma fille, allez-y. Luc 19, 1 à 10. Gagnez le temps, s'il vous plaît. À la haute voix, ma fille. Jésus étant entré dans Jéricho. Jéricho. Oui. Traversé la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Allez-y, continuez.
Il courut en avant et monta sur une sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Arrêtez un peu là-bas. Tu vas continuer après verset 5. Mettez-vous un peu ma fille. Merci. Suivez-moi très bien. Je serai un peu bref aujourd'hui. Un jour, Jésus, le sauveur de l'humanité, il était allé prêcher la bonne nouvelle dans une ville, la ville de Jéricho. Suivez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit, dans cette ville de Jéricho, il y avait un homme. Et cet homme s'appelait Zachée. Suivez-moi très bien. Et Zachée, il était un homme, pas comme tout le monde. Suivez-moi très bien. Je vais être un peu bref. C'est tellement profond. Zachée, il était un juif. Zachée, il était en un mot un fils d'Abraham. Abraham, il était son patriarche, son ancêtre. Mais à l'époque où Jésus était né, à l'époque vers l'an 1, les Romains dominaient le monde. Comme aujourd'hui, le monde est dominé par les Américains. À l'époque, c'était les Romains. En un mot, l'Italie, parce que l'Italie, Rome se trouve en Italie. Les Italiens dominaient le monde. Et ça fait que même les enfants d'Israël dans leur pays, ils étaient sous la domination des Italiens, sous la domination des Romains. Et ça fait que les Italiens, les Romains, pour leurs propres intérêts, en dominant les enfants d'Israël, en dominant les Juifs, à des fois, les Romains travaillaient aussi en collaboration avec les Juifs. Mais c'était pour leurs propres intérêts. Et Zachée, il était intelligent. Il était tellement intelligent. Il était tellement courageux. Et puis, Zachée, moi je pense que Zachée parlait plusieurs langues. À part hébreu, Zachée parlait un peu grec. À part grec, peut-être il parlait aussi l'italien. Ça fait que Zachée, il était embauché par les Romains. Comme qui? Il était embauché comme le chef des publics. Il était embauché comme étant les grands responsables des gens qui travaillent à la trésorerie publique, aux impôts. Mais beaucoup plus, Zachée étant que juif, les Romains, pour faciliter leurs propres intérêts, ils ont dit, Zachée, malgré que tu es le chef de tous les travailleurs dans les impôts, mais beaucoup plus, toi étant que juif, tu vas beaucoup plus travailler auprès de ton peuple, les juifs. Et mes amis, Zachée, à la place d'être cool, à la place d'être gentil, à la place d'avoir de la compassion à ses frères, à ses sœurs juifs, si peut-être Hérode, il a demandé la taxe d'habitation, exemple, c'est 10 euros, dès que Zachée arrive, mon frère, Zachée dit, la taxe d'habitation, ce n'est pas 10 euros, la taxe d'habitation, c'est 50 euros. Donc, les 10 euros va à la caisse des Romains, les 40 euros entrent où? Dans la poche des Zachée. La corruption a commencé, ça fait longtemps. Ça fait que Zachée, il était tellement riche, il avait beaucoup d'argent.
dans la voie normale, l'évangéliste disait, mais l'argent de Zachée, c'était à la voie anormale. Zachée, il était un voleur, un voyou, un brigand, un pilleur. Il volait ses propres frères, ses propres sœurs. Et ça fait que Zachée, il était haï de tous les juifs. Il était mal réputé. Zachée, il était qualifié un homme mauvais. Mais un jour, Jésus de Nazareth, il est allé évangéliser dans la ville déjà de Jéricho, là où se trouvait Zachée. Mes amis, partout où Jésus passait, il s'est passé toujours des choses extraordinaires. Les malades étaient guéris, les possédés étaient délivrés, les aveugles voyaient. C'était terrible. La foule suivait Jésus. Et mes amis, la nouvelle était tombée aussi aux oreilles de Zachée. Zachée a demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans notre ville, ici à Jéricho? Qu'est-ce qui se passe dans notre quartier? Les gens ont dit à Zachée, voleur d'impôts, écoute, c'est Jésus. Et en plus, Jésus là, c'est ton frère juif. Il est né à Bethléem. C'est lui qui guérit les malades. Il lui pardonne les pécheurs, les pécheresses. Il accomplit des choses extraordinaires. Mes amis, Zachée, il s'est dit, moi aussi, il faut que mes yeux voient cet homme-là. Jésus. Mais écoutez-moi très bien. La parole était nous dit, Zachée, il avait un problème. C'était quoi? C'était la petite taille. Son problème était un problème purement naturel. Et puis, ce n'est pas Zachée qui a demandé à Dieu de le crier comme ça. En quelque sorte, je peux même vous dire, c'est comme si Zachée, il était un piquemin. Il mesurait 1m40. Et les autres juifs, les autres personnes mesuraient 1m70 comme vous et moi, 2m. Ça fait que Zachée, pour voir Jésus, sa vision s'arrêtait au niveau des autres personnes. Ici. Zachée bousculé. Zachée faisait de n'importe quoi pour voir Jésus. Mais c'était un pain terrible pour lui. Zachée, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Peu importe son argent, peu importe sa richesse, peu importe ses titres, mais Zachée, dans son cœur, rien qu'à cause de la présence de Jésus dans la ville de Jéricho, son cœur était rempli de la tristesse. Croyez-moi, c'est la vérité. Zachée était devenu triste. Parce que les gens ont parlé à Zachée, cet homme-là, Jésus, il guérit les malades sans traitement. Il accomplit un miracle sans intervention de médecin. Il pardonne le péché de pécheur. Il accomplit des choses extraordinaires. Cet homme-là, il est juif. Il est né en Israël. C'est ton frère. Zachée, il l'a vu avant. Moi aussi, il faut que je fasse un effort pour voir cet homme. Tu connais bien l'histoire. Que toute la parole de Dieu, la meilleure des solutions pour Zachée, c'était quoi? Il avait utilisé la voie de la violence, mais dans le bon sens. Zachée, il était monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore pour voir Jésus. Donc, le sycomore a aidé Zachée de devenir le plus géant par rapport aux autres. Le sycomore a aidé Zachée de doubler plus de 4 fois sa taille. Si les autres se limitaient à 2 mètres, mais à cause du sycomore, Zachée, il avait la taille, la longueur, exemple, de 5 mètres. Donc, il regardait comme ça. Je suis devenu le vieux de tout le monde.
je vais les voir le passé. Bien-aimé, Jésus est venu pour sauver, non pas pour condamner. Lisez bien l'histoire, jusqu'à la fin tu vas voir. Jésus, lorsqu'il est arrivé près de l'arbre, près du sycomore, Jésus de Nazareth, il a élevé ses yeux en haut. Et Jésus, en élevant les yeux, Jésus n'a pas vu un oiseau dans l'arbre. Jésus n'a pas vu un singe dans l'arbre. Jésus n'a pas vu un corbeau dans l'arbre. Mais Jésus a vu l'homme créé à son image, à sa ressemblance. L'homme pécheur, l'homme folaire, l'homme haï de tout le monde, l'homme culpabilisé de tout le monde, l'homme rejeté de tout le monde. Jésus est arrivé. Il a levé ses yeux. Et Jésus étant que Dieu, il connaît le nom de tout le monde. Jésus a appelé Zachée à son nom. Jésus n'a pas demandé le nom de Jésus à quelqu'un. Il est Dieu, il connaît tout. C'était d'abord le premier miracle. Zachée était tellement touché en bas. Il m'a appelé à mon nom. Je ne le connais pas. Moi aussi, je ne le connais même pas. Lui aussi, il ne me connaît pas. Mais comment il m'a appelé à mon nom? Zachée ne savait pas que Dieu nous connaît tous en notre nom. Amen. Jésus a appelé Zachée. Zachée, descends. Zachée, viens à côté de moi. Zachée, accepte-moi seulement. Zachée, profite de ma grâce. Zachée, profite de mon salut. Tu sais, aujourd'hui, je vais aller dormir chez toi, dans ta maison. Mes amis, Zachée, il était descendu rapidement depuis le sycomore. Il a conduit Jésus jusqu'à sa maison. Jusqu'à tel point, Zachée, il a donné à Jésus à manger et à boire. Et Zachée lui-même, il a commencé même à confesser devant Jésus en disant que Seigneur, si je volais un héros de quelqu'un, je vais rembourser même fois 7. Si je volais 100 héros de quelqu'un, je vais rembourser même 1000 héros. Parce que toi, tu m'as accepté, tu ne m'as pas condamné. Comme tu m'as accepté, tu m'as accordé ton pardon. Moi aussi, de mon côté, je veux réparer. Je veux réparer. Je veux réparer. Mes amis, pendant que Zachée parlait, les autres murmuraient. Les autres boudaient. Même les apôtres murmuraient. Les autres disaient que oh, Jésus, il est allé manger, il est allé même dormir dans la maison d'un homme pécheur. Lisez bien Luc 19, verset 10. La réponse de Jésus. Jésus a dit, verset 9 à 10, Jésus a dit, il est aussi le fils d'Abraham. Car moi, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. C'est profond ce verset biblique. Je vais vous donner la clé. La révélation de ce verset biblique. Quand Jésus disait à Zachée qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison, beaucoup pensent que la maison que Jésus parlait à Zachée, c'est la maison de briques. L'évangéliste disait. Beaucoup passent comme ça. J'étais animé de prédicateur, je prêchais comme ça. Oh, le salut est entré à la maison de Zachée. Écoute-moi très bien. La maison que Jésus parlait à Zachée, ce n'était pas la maison de briques, mais c'était la vie de Zachée. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire, Zachée, ta vie à toi, ton cœur à toi, c'est ma maison. Amen. Ton cœur à toi, c'est la place où je veux demeurer. Comme moi, je suis le sauveur, ma présence est dans ta vie. Apporte aussi le salut. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ce n'est pas la brique. Jésus voulait seulement dire, aujourd'hui, le salut est entré dans la vie de Zachée. La maison n'a pas besoin d'être pardonnée. C'est l'homme qui a besoin d'être pardonné. La maison n'a pas volé.
Mais c'est l'homme qui vole pour construire des maisons. C'est pour cela l'évangile. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre l'évangile, la parole de Dieu. C'est vrai. Un jour, je marchais, je vis une écriture dans une grande portail. Attention, chien méchant. Chérie, t'as déjà vu ça? Attention, chien méchant. Et le Saint-Esprit commença à me parler. Ézéchiel, à vrai dire, le chien n'est pas méchant. Mais c'est le propriétaire de la maison est méchant. Mais c'est vrai. Attention, chien méchant. Mais non, ce n'est pas le chien. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Mais pourquoi ces gens d'écriture? Pour faire fuir les gens chez toi. Hein, bien-aimé? Voilà un peu juste. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans ta vie. Et à partir de ces jours-là, sachez, était pardonné. Sachez, était sauvé. C'est ça, bien-aimé. Donc aujourd'hui, je viens encore ajouter ça. Jésus est venu pour nous donner le salut. Donc, mets ça dans ton cœur. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es un homme sauvé. Tu es une femme sauvée. Mais si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, vous n'êtes pas sauvé. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si ton papa prie, même si ta maman prie, même si vous êtes né dans une famille chrétienne, écoutez-moi très bien, le salut n'est pas héréditaire. C'est le péché, le lien qui sont héréditaires. Mais le salut n'est pas héréditaire. Le salut, bien-aimé, on ne peut jamais t'imposer la main en te disant que recevez le salut. Non. On ne donne pas le salut. On ne communique pas le salut. Et puis, on ne peut jamais négocier par rapport au salut de quelqu'un. Le salut est personnel. C'est pour cela, à des fois, ça me fait tellement mal. Quelqu'un est mort, quelqu'un est décédé, et vous allez écouter les prédicateurs. Ah, nous allons prier à Dieu. Je ne cite même pas les noms de l'église. Nous allons demander à Dieu d'accueillir l'âme de notre frère. Demander à Dieu d'accueillir l'âme de notre soeur. Afin que notre soeur ou bien notre frère se retrouve au paradis. Ah. On ne peut jamais négocier avec Dieu pour le paradis de quelqu'un qui est déjà décédé. Le salut n'est pas accordé au cadavre. Le salut, c'est l'affaire personnelle de deux personnes. Le salut, c'est Jésus et la personne en question. Ce n'est pas dit que les enfants du pasteur sont sauvés. Non. Hier, je parlais ça à ma fille. Je n'ai jamais vu la femme d'un médecin n'est pas médecin. Hein, bien-aimé? Sois pas avec moi. La femme d'un médecin n'est pas un médecin. La femme d'un avocat n'est pas avocate. Soyez un peu sérieux. La femme d'un général n'est pas générale. Mais comment aujourd'hui, la femme du pasteur est pasteur? C'est du vol. C'est de l'arnaque. C'est vrai, évangéliste. La femme d'un apôtre, oh, maman apôtre. Mais non, arrêtez. 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 Et vous voyez, le papa est pasteur. Après le papa, c'est son fils qui va remplacer son papa à la tête d'une église. Mais c'est quoi ça? Sortez de là! Sortez! Dieu n'est pas là! L'enfant du pasteur n'est pas pasteur! L'enfant d'un docteur n'est pas un docteur! L'enfant d'un militaire n'est pas militaire, c'est un civil. Amen.
c'est la vérité. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la chair. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le sang humain. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'esprit. Et on a des choses arrangées par la grâce de Dieu. Je suis arrivé à la fin. Si jusqu'aujourd'hui, mon fils, ma fille, si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est grand temps. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après la mort, vient le jugement. Et ce jour-là, devant le trône du Seigneur, tu seras seul, sans papa, sans maman, ni grand frère, ni petit frère. L'homme n'est pas né enfant de Dieu, mais l'homme devient enfant de Dieu. La femme n'est pas née enfant de Dieu, mais la femme devient née enfant de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé! Jésus est venu pour sauver. Sauver l'homme est perdu. Sauver la femme est perdue. Il est là, non pas pour nous condamner, mais il est là pour nous donner son salut. Et je vous ai dit la fois passée, le mot salut vient du mot grec sozo. Salut en grec, c'est sozo. Sozo voulait seulement dire le salut total, l'intégralité de tous les saluts dans la vie de quelqu'un. C'est ça, bien-aimé. Les gens aiment les miracles. Et tu vas voir les miracles. Prévenez que le 30, mardi, le 30 de ce mois, je vais même publier ça à ma chaîne chrétienne. Le 30, à 17h, j'ai organisé une journée de miracles et de délivrance ici. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. J'aime tellement les miracles, j'aime tellement les surnaturels. Et tu vas voir. Je sais de quoi est capable mon Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Le miracle véritable pour l'homme, c'est quoi? C'est avoir le salut en Jésus de Nazareth. La question est posée, tu es vraiment sauvé? C'est ça la question, je suis arrivé à la fin. Si tu as quelques doutes par rapport à ton salut, à la fin, je suis disponible pour t'aider. Pour faire la prière ensemble avec toi. La prière d'un pécheur, et tu vas accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. N'attendez pas demain. N'attendez pas demain, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin du monde. Le salut, c'est pour les vivants. La nouvelle naissance, c'est pour les vivants. Être sauvé en Jésus, c'est pour les vivants. Après la mort, le salut est bel et bien impossible. Après la mort, le pardon est bel et bien impossible. Après la mort, la délivrance, la compassion est bel et bien impossible. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Fermons nos yeux. Il va seulement bénir l'Éternel et Dieu. Tu as écouté sa parole. Bénis l'Éternel et Dieu, s'il vous plaît. Prions. Alléluia. Prions l'Éternel. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, sa majesté. Que ton nom soit béni, le Saint d'Israël. Mettons-nous debout, nous allons chanter encore cette chanson. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et... Chantez, chantez. Oh,
Le Saint-Esprit m'a convaincu de faire cette prière ensemble avec toi. Même si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, prie encore avec moi. C'est tellement important. C'est un sujet tellement capital, le salut. Répétez cette prière après moi, s'il vous plaît. Prie ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci. Tu es venu sur la terre pour me sauver. Pour me donner le pardon. Et la vie éternelle. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt. J'ouvre mon cœur devant toi. Je t'accepte dans mon cœur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sauve-moi. Et pardonne-moi de tout péché. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Mettons-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe directement au communiqué. Normalement, nous finissons à 17h30. Mais franchement, pardon, à 20h30, nous commençons de 7h30 à 20h30. Mais tellement il fait tellement chaud. Franchement, je fais un effort qu'on finisse un peu avant 20h30. Vraiment, oui, vous pouvez. Donc, prochainement, nous allons amener, s'il vous plaît, prochainement, des ventilateurs. Il fait tellement chaud, ce n'est pas grave. Souffrons pour le moment. Mais Dieu, par sa grâce, il va nous donner une grande salle. D'accord? D'ailleurs, regardez vous-même. Il n'y a plus de place pour mettre les gens. Regardez. C'est presque rempli. Vrai ou faux? Mais c'est vrai. Il y a encore un couple qui vient de m'appeler en me disant que, papa Ezekiel, s'il vous plaît, on a eu l'empêchement. Mais dimanche prochain, nous serons là. Il y a encore l'autre couple. Donc plus de 6 personnes ne sont pas venues. Supposons que 6 personnes étaient ici. Hein? Il n'y a même pas de place. Mais Dieu nous fera vraiment la grâce. Prochainement, on va avoir une grande place. Amen. Et de deux, je voulais vous dire encore ceci. Mardi le 30. J'ai changé un peu la date. C'était prévu le 23. Mais j'ai besoin qu'on puisse fabriquer les invitations, hein? Donner quand même aux gens. Je parlais avec le pasteur et le propriétaire de la salle et il m'a bien confirmé que non, c'est possible, on sera à la grande salle. Enfin ici, justement ici. À la grande salle, on sera là-bas. Donc, mardi le 30, dernier mardi plutôt, du mois d'août, nous avons une journée de délivrance et de miracles. Mardi le 30 août, on va commencer vraiment à l'heure, parce que là-bas, c'est bon. Donc, mardi le 30, de 17h à 20h, ça sera une journée où Jésus-Christ de Nazareth va se manifester, va guérir les malades, comme au temps des apôtres. Amen. Amen. Parce qu'il est le même. Amen. Amen. Et je crois tellement au surnaturel, j'ai tellement confiance en Jésus et mes yeux ont vu la manifestation de la puissance de Jésus et j'ai besoin que mon Seigneur puisse encore visiter son peuple pour la gloire de son nom. Mardi le 30, nous avons une journée de miracle ici et je vais vous donner des invitations, s'il vous plaît. Invitez deux personnes, même trois personnes, ne venez pas seul. Venez avec quelqu'un et Dieu fera des choses extraordinaires pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Et si nous prions, pour le moment, nous prions seulement deux jours la semaine. Nous prions seulement chaque mardi et chaque dimanche. Nous prions dimanche, 17h30 et nous finissons à 20h30. Normalement, 20h30. Mais j'essaie un peu de gérer le temps. De finir un peu avant parce que j'ai tellement très chaud pour vous libérer quand même. Donc mardi 17h30 on commence à 20h30, dimanche
De 7h30, on commence, et à 20h30, notre église s'appelle Mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt. Centre des miracles et de la parole est révélée par le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est depuis le premier qu'on a commencé notre église, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est avec nous. Amen. Vraiment, prochainement, ne venez pas seul, venez avec quelqu'un. Je vais clôturer mon enseignement le 30. Le 30, je vais clôturer ces grands thèmes. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Je vais parler, il est venu pour accomplir de miracles. Et nous allons expérimenter, vivre le miracle, la main, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth en action ces jours-là. Donc, invitez les gens, appelez les malades, les gens qui ont des problèmes, les gens qui cherchent la délivrance de Jésus de Nazareth. Et le Seigneur fera des choses extraordinaires pour la gloire de son nom. Amen. Et nous voulons maintenant accueillir de nouveaux venus. Mon frère, si vous êtes que pour vous, c'est le premier jour, ma soeur, pour vous, le premier jour, cette venue seulement aujourd'hui, franchement, n'ayez pas peur, pour ne pas avoir la honte, mettez-vous debout, nous allons vous accueillir pour la gloire de Dieu. Mettez-vous debout, nous allons vous accueillir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est bien comme ça, c'est bien, c'est bien. Mon frère, comment vous appelez? Je m'appelle Frère Pichou. Ah, Frère Pichou. Qui vous a amené ici? C'est ma sœur. Hey, c'est ma sœur Annie. Ouais. Frère Pichou, je suis tellement content de vous voir. Ah, Pichen. Je suis dans la joie, Pichen. C'est votre maison. Ouais. Franchement, la maison est grande, il y a fait d'ouvrier. Ouais. La porte est ouverte pour vous, mon frère Pichou. T'as vu la sœur? Elle est en pleine formation. Moi, je forme comme ça. Je forme la formation et puis la théorie. C'est ça, un leader. Jésus a besoin de vous, Frère Pichou. Et suivez-moi dans la joie. Là, c'est votre place. Et je pense que le mardi, vous serez ici. Et puis le dimanche, vous serez aussi ici, ensemble avec nous. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. À la fin, l'évangéliste Jean-Cy va parler un peu pendant quelques secondes avec vous. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis aussi, nous voulons aussi accueillir les serviteurs de Dieu. J'ai dit ça au début. L'évangéliste Dizzy, l'homme de Dieu Stéphane, ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Franchement, j'ai aimé beaucoup plus la réaction de l'évangéliste Dizzy. C'est un homme de Dieu qui est tellement engagé dans le ministère. Il m'avait suivi, moyennant YouTube, moyennant Facebook. Et il était convaincu par rapport à mes prédications. Et il m'a appelé. Il m'a dit que non, j'ai besoin de cet homme. Et on a parlé, et puis je lui ai dit, j'ai commencé l'œuvre. Mais pour aller plus loin, je laisse un peu de mots à l'évangéliste. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Je laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Dizzy, je suis évangéliste. Au centre de mission chrétienne mission. Certainement, vous devez poser la question, mais c'est quoi le centre de mission chrétienne mission? Donc, nous sommes une organisation internationale, plus une académie biblique. Donc, nous travaillons dans les pays francophones, donc plus de 112 pays, avec les hommes de Dieu, servants de Dieu. Donc, l'homme de Dieu, on l'avait rencontré, justement, à travers les réseaux, les célébrants, les hommes de Dieu, lesquels on peut inviter justement à nos événements. Donc, on avait vu justement l'homme de Dieu qui faisait des publications sur les réseaux. C'est ainsi qu'on l'a invité justement. C'est ainsi qu'on l'a appelé pour qu'on puisse se rencontrer. Donc il y a quelques mois, on a échangé, on a pris connaissance et tout. Donc là récemment, je l'ai contacté parce qu'on organise justement un autre événement pour les hommes de Dieu dans Paris. Donc il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu à travers toutes les villes de France, même certains pays qui vont être là. La raison pour laquelle je l'ai recontacté afin que justement ils puissent participer à cette conférence et que je vienne. Donc voilà, donc il m'a aussi informé qu'il a trouvé une salle, qu'il pourrait justement exercer son ministère. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé sur mon frère qu'on puisse vous visiter aujourd'hui et aller richement béni d'être parmi vous. Amen. Comment ça m'a tellement touché. Et je me suis dit que ce n'est pas en vain que nous prêchons la parole de Dieu. Et puis c'est un acte d'humilité. Hein?
C'est vraiment un acte d'humilité. Quelqu'un vous a suivi, il vous a appelé, et puis il est même venu participer. Et ça m'a vraiment touché. Et je viendrai. J'ai besoin de vous aussi, l'homme de Dieu. Et ça, c'est votre maison. Je viens de commencer l'œuvre. Et j'ai besoin aussi de votre coup de main. Ce n'est pas mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. Donc vous êtes le bienvenu, évangéliste d'ici, évangéliste Stéphane, c'est votre maison. Et l'œuvre est là. Le chef ici, c'est Jésus. Je travaille comme étant un esclave. Ce sont mes enfants et ils sont là. Ils sont en pleine formation et puis en même temps, la formation et la pratique. Et vous êtes vraiment les bienvenus. À peine que pas même un mois, on commence, mais nous voyons par la grâce de Dieu sa présence au milieu de nous. Et il est vraiment ensemble avec nous. Amen. Et nous sommes vraiment dans la joie et acclamons comme le Seigneur. L'homme de Dieu d'ici et l'homme de Dieu Stéphane. Amen. Amen. Nous voulons donner à Dieu les offrandes. Prends ton offrande, nous allons donner à Dieu. Prends ton offrande. Évangéliste, donnez-moi les paniers.